Ça, les amis, c'est le GVM80QD. C'est un slider motorisé. C'est pour moi le meilleur rapport qualité-prix du marché. Et je vous le présente dans cette petite vidéo. On va faire ça en 4 petites parties. Donc, on va unboxer tout ça. Je vais vous montrer ce qu'il y a dans ce petit sac. En deuxième partie, à quoi peut servir un slider motorisé concrètement, et je vais vous montrer quelques petits exemples. En troisième, on va voir les concurrents qu'il y a sur le marché et la différence de prix entre tout ceci. On va prendre les plus connus forcément. Voilà, beaucoup de youtubeurs ont fait des vidéos à ce sujet, mais franchement, ce petit GVM80QD est le meilleur rapport qualité-prix pour moi. Et en quatrième, on va voir comment il fonctionne. On va le mettre en place rapidement. On va faire quelques pack shots. Et on est parti, les amis, pour cette vidéo. Unboxing très rapide, les amis. Hop là. Voilà comment ça se passe. Le slider, dans un premier temps. Le câble pour relier le boîtier au système de moteur. Une batterie, la télécommande pour le piloter. Ça, c'est ma petite tête fluide que je prends en plus. Elle est hyper bien, je vous la mettrai aussi dans la description. Elle coûte quasiment rien du tout. Et voilà, on a le rechargeur et plein de petits câbles comme ceci en fait. Pour chaque DSLR, pour chaque hybride, il y a vraiment tout ce qu'il faut pour le relier, pour faire des timelapses par exemple. Et un petit câble adaptateur. Voilà tout ce qu'on a dans notre petite mallette. On est parti maintenant pour savoir à quoi tout ça peut nous servir. Go! Pour moi les potes, il y a vraiment beaucoup d'utilisation, mais principalement, ce sera pour les interviews. Donc ça, c'est vraiment un classique. Comme ça, vous pouvez mettre deux sliders motorisés avec deux caméras dessus pour avoir deux plans qui jouent en fait tout seul. Vous pouvez faire ça tranquillement avec vos télécommandes à la main. Donc ça, c'est le premier point, c'est l'interview. Et on va considérer que la vidéo YouTube fait partie du mode interview. Comme vous pouvez le voir sur mes anciennes vidéos, donc celle du résultat du concours, ainsi que la vidéo de Décobois par exemple, j'ai utilisé ce slider. Et franchement, c'est juste incroyable, c'est vraiment parfait pour une utilisation tout seul. Deuxième point important, je parlerai des pack shots. C'est vraiment très pratique pour faire des pack shots hyper fluides, hyper qualitatifs, parce que forcément c'est motorisé, c'est pas avec le mouvement de la main, donc vous avez tout le temps des mouvements linéaires, fluides et hyper smooth. Dans un troisième point, comme je l'ai dit, dans toutes vos vidéos, ça peut s'adapter, c'est vraiment assez dingue. Moi, pour tous mes tournages, je le prends, il prend pas beaucoup de place. Bien évidemment, pour du run and gun, ce ne sera pas la meilleure chose à prendre. Il vaudra mieux prendre un stabilisateur une main, beaucoup plus pratique, beaucoup plus transportable et forcément, ça va plus vite quand même à mettre en place. Vous voyez, le slider est en route. Je vous l'ai mis pour vous donner un petit exemple de ce que ça peut donner. Il y a un mouvement que je vous expliquerai tout de suite après. Mais là, je vais vous dire quels sont les concurrents sur le marché à l'heure actuelle et surtout la différence de prix avec ce petit GVM80QD. On a Edelkrone qui est un des plus hauts en niveau de la gamme. Tout simplement, il sera à 1347 € la totalité parce que c'est plein de petits modules qu'il faut rajouter pour le slider, pour ajouter un moteur, pour ajouter quelque chose qui peut faire du mouvement. Donc on serait à 1347 € le tout. Ensuite, on a SERP. Donc SERP, très connu également. Il faut acheter le slider plus le robot pour avoir la motorisation et le déplacement de la caméra. On serait à 1209 €. Ensuite, on a le Ratrig qui est également très connu parce que le prix est très bas. On est à 550 € le tout. Donc, on est vraiment sur le même genre de setup, mais on sera quand même plus cher que ce GVM. Ensuite, il y a le High Footage Shark Slider Mini Premium. Oui, c'est long comme titre, mais il est à 1700 €. À la base, c'est un slider manuel. On peut rajouter pareil des extensions pour qu'il bouge un peu comme le fait en ce moment le mien. Et oui, 1700 €, ça fait un peu mal. Donc pour ce GVM, pour ce setup là, on est sur du 412 € sur Amazon en France. On peut l'acheter que sur Amazon, nous les Français malheureusement, car sur les sites officiels,
et sur plein d'autres sites de vente, on ne pourra pas faire une livraison en France. Donc voilà, direction Amazon, le lien est dans la description si vous voulez ce slider ou cette petite tête fluide. Je vais vous montrer comment il fonctionne, je vous montre en image comment on le monte de A à Z. Donc dans un premier temps, je vous conseille de le retourner et de mettre deux trépieds en dessous de celui-ci parce qu'avec un seul trépied, et par exemple vous mettez un GH5 ou une caméra de ce poids-là, donc ça reste quand même très léger, bah ça va pencher à droite, à gauche quand le slider va bouger, donc c'est vraiment pas cool. Donc je vous conseille deux trépieds, il y en a des pas chers sur Amazon, je vous mets également un lien dans la description. C'est les mêmes trépieds que pour les softbox ou les lumières classiques. Ensuite on monte la tête fluide dessus, rien de plus simple, un petit coup de vissage. Cette tête fluide, elle sert à orienter votre caméra parce que si vous vissez directement la caméra sur la base, vous aurez quelques petits soucis, vous ne pourrez pas l'incliner ni en haut ni en bas, ni sur les côtés, ça va être très très compliqué. Donc vous pouvez prendre la tête fluide de votre trépied actuel si c'est possible bien évidemment de le visser. Ensuite on branche la petite manette directement sur le moteur, donc ça permet le contrôle total de la machine. On n'oublie pas de mettre la batterie sur la manette et ensuite on appuie sur le petit bouton on de la télécommande et on est parti pour la programmation. Pour ce faire, rien de plus simple, il y a un petit onglet settings, il faut cliquer dessus dans un premier temps pour choisir un point A et un point B pour pas que votre moteur aille plus loin que ce que vous avez programmé à la base, sinon vous allez voir ça va vous faire tout drôle. Donc vous mettez le point d'entrée, on va dire, et le point de sortie. C'est ultra simple les amis d'utilisation, une fois que vous avez fait ça, vous pouvez faire ce que vous voulez. Vous choisissez un des trois modes, donc dans les trois modes on a le mode vidéo en autoloop, donc ça veut dire que ça fait comme actuellement sur la vidéo, ça va de droite à gauche, ça ne s'arrête pas entre votre point A et votre point B. Il y a le mode manuel, donc tout simplement là c'est vous qui appuyez sur le bouton à gauche, à droite. Il y a le mode autostop, donc là ça va s'arrêter dès que ça tape le point A ou le point B. Et ensuite on passe sur le mode timelapse, donc ça c'est hyper bien, c'est là qu'il faut brancher votre hybride ou votre caméra ou votre DSLR directement sur la plateforme. Comme ça vous pourrez programmer un timelapse directement sur votre boîtier. Donc c'est hyper intuitif, je ne vais pas faire un tuto là-dessus, vous verrez quand vous l'aurez acheté. Forcément c'est hyper bien, on peut faire des timelapses très très longs avec des mouvements de rotation, etc. Maintenant vient le point crucial, comme vous l'avez vu, ça slide de droite à gauche ou de gauche à droite, mais vous pouvez faire des rotations donc sur l'axe de panne uniquement, on ne pourra pas faire des mouvements sur l'axe de tilt à part si vous prenez une tête fluide et que vous montez ou descendez, mais sur l'axe panoramique. Donc là par exemple vous voyez je reste plus ou moins centré tout le long du plan parce que ma caméra me garde au centre du plan en faisant un mouvement panoramique en restant vers le centre. On peut faire le mouvement panoramique en faisant un balayage, j'appelle ça le mode balayage, donc qui ira de gauche à droite en faisant un arc de cercle. Et ça, ça se règle grâce à ces petites molettes que vous voyez sur le côté. C'est hyper intuitif, c'est très très bien pensé. On déverrouille, on fait glisser en haut ou en bas tout simplement. Pour avoir un slider classique, vous le mettez sur la position centrale. Voilà les amis, j'espère que cette vidéo vous aura plu, je vous remercie. On est plus de 1000, je sais, la vidéo des 1000 abonnés n'est pas encore sortie. Vous la verrez d'ici 2 semaines et je vous dis à très bientôt les amis. Et n'oubliez pas, droner en toute légalité. Ciao! Si cette vidéo vous a plu, profitez-en pour y laisser un pouce bleu, un commentaire et surtout la petite cloche pour être averti à chaque sortie de vidéo.